Bonjour. Alors typiquement, vous êtes revenu de votre échographie du troisième trimestre et là, votre médecin, votre sage-femme vous a dit, ah, le bébé est en siège. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bébé se présente avec la tête en haut. Alors généralement, comme je disais, on le dépiste au cours du troisième trimestre. Il y a deux types de sièges. Il y a le siège complet, c'est-à-dire que le bébé a les jambes croisées en bas, et le siège décomplété, c'est-à-dire que le bébé fait un peu de gymnastique et il a les jambes complètement relevées et ce sont les fesses qui se présentent en premier. Alors, il n'y a pas de problème pour accoucher naturellement, enfin il y a certaines conditions hein, bien évidemment pour accoucher naturellement quand le bébé est en siège, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc ce qu'on conseille de faire généralement au troisième trimestre quand on découvre que le bébé est en siège, c'est d'essayer de le tourner. Alors on va d'abord généralement vous conseiller quelques positions, il y a vraiment des bonnes positions qui peuvent aider le bébé à bien tourner. N'hésitez pas à demander à votre sage-femme de vous montrer quelles sont ces positions. Sinon vous pouvez essayer éventuellement l'acupuncture. Il y a certaines études qui montrent que l'acupuncture présente de bons résultats pour faire tourner le bébé. Et si malgré tout ça, ça ne fonctionne pas, la limite, ça va être 36 semaines d'aménorrhée. Votre médecin ou votre sage-femme va probablement programmer ce qu'on appelle une version manuelle externe, une VME. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque, en fait, vous allez à la maternité, hein, et en fait, c'est lorsque le médecin et la sage-femme vont essayer de tourner manuellement de l'extérieur le bébé. Alors, ça se fait à l'hôpital, dans des conditions médicalisées avec un bloc opératoire à côté au cas où. Ça se fait sous surveillance échographique, c'est-à-dire qu'on va quand même vérifier que le cœur du bébé va bien, parce que parfois, en tournant le bébé, on peut voilà, tirer un petit peu sur le cordon, sur le placenta, et hop, le cœur peut ralentir, et dans ce cas-là, on arrête tout de suite. Donc, ça se fait quand même sous surveillance. Donc, à 36 semaines, on va essayer de tourner le bébé. Parfois ça fonctionne et parfois malheureusement ça ne marche pas. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait si ça ne fonctionne pas? On va voir et on va évaluer si vous pouvez accoucher naturellement ou pas. Alors, l'accouchement naturel d'un bébé qui se présente en siège, je fais grand débat auprès des équipes de médecins. Il y a des études qui montrent en fait que l'accouchement du siège est plus délétère qu'une césarienne directement programmée. Et certaines études disent, bah oui, mais alors ces études qui montrent que l'accouchement naturel est plus délétère, en fait, elles prennent pas en considération, elles anticipent pas en fait, et elles prennent pas en considération le fait qu'on peut faire des examens au préalable pour s'assurer que c'est possible ou pas, donc c'est pas si dangereux que ça. Enfin, c'est une vraie discussion, honnêtement, je pense qu'il est très important si vous décidez d'accoucher naturellement, d'en discuter avec votre médecin, votre sage-femme, pour vraiment discuter de votre condition à vous, de vraiment voir un petit peu. À la fin, le choix vous appartient complètement. On ne force personne à accoucher naturellement par le siège, mais en tous les cas, sachez que c'est un vrai débat. Et je parle de ça parce qu'il est possible que vous soyez suivi par un gynécologue en ville qui vous dit, ah non, faut surtout pas accoucher naturellement, c'est trop dangereux, parce qu'en effet, il y a des études qui montrent que l'issue est moins favorable par voie basse que par césarienne. Et puis, si vous allez, je sais pas, peut-être à l'hôpital public, discuter avec un médecin qui, lui, a l'habitude de faire des accouchements du siège, il va vous dire, mais non, mais pas du tout, il n'y a pas de problème, si on fait des examens au préalable pour s'assurer que tout va bien, c'est beaucoup plus sûr. Enfin, voilà, donc vous pouvez avoir un petit peu les deux sons de cloche. Au final, sachez que, on ne sait pas vraiment en fait quel est le mieux. Le mieux, ça va être votre décision. Est-ce que vous choisissez? Et quoi qu'il en soit, il faut que l'on respecte votre décision. En tous les cas, enfin moi personnellement, en tant que sage-femme, je viens d'un milieu hospitalier public et à l'hôpital, on accouche les sièges par voie naturelle et ça se passe la plupart du temps très très bien. Et pourquoi? Parce que en fait, si jamais vous souhaitez accoucher naturellement et que la version manuelle externe a échoué, on va vous faire une radio du bassin. Donc on va faire une radio du bassin pour mesurer un petit peu les différents diamètres du bassin et pour voir si il n'y a pas de disproportion entre la tête de votre bébé et le bassin. Le risque étant que le corps sorte et que la tête reste bloquée. Alors que si on fait cette radio du bassin, a priori, on confronte avec les mesures qu'on a à l'échographie. Et si la radio du bassin est bonne, que l'examen du bassin, qu'on peut examiner votre bassin cliniquement est bon, dans ce cas-là, on pourra tout à fait vous laisser accoucher naturellement. Il faut bien évidemment que votre grossesse se passe tout à fait normalement, qu'il n'y ait pas de complications associées à la grossesse, au niveau du placenta ou d'autres pathologies associées. Mais si votre grossesse est normale, que le bébé est pas trop gros et que les mesures à l'échographie montrent un bébé qui est plutôt dans la norme, que la radio du bassin est normale, il est tout à fait sûr d'accoucher naturellement. Alors, il faut par contre être dans un centre et dans un hôpital où l'équipe a l'habitude de faire ça.
Et c'est pour ça que je dis, si jamais vous ne voulez pas changer de médecin et que votre médecin vous dit, moi, je ne suis pas du tout confortable pour accoucher les sièges, dans ce cas-là, eh ben, il ne faut pas le forcer parce qu'en effet, il faut que ce soit fait auprès de professionnels de la santé qui ont l'habitude de ce genre de pratique. Par contre, si votre médecin refuse de vous accoucher naturellement parce qu'il estime que c'est trop dangereux et que vraiment, vous voulez vraiment accoucher naturellement, n'hésitez pas dans ce cas-là à essayer de consulter d'autres équipes médicales qui, eux, sont plutôt favorables à l'accouchement naturel. Alors, si jamais il est planifié d'accoucher naturellement en cas, et que votre bébé est en siège, alors déjà sachez que il est jamais trop tard pour votre bébé de se retourner. Alors pour partager un petit peu mon expérience personnelle, moi je travaillais à l'hôpital et une de mes patientes, son bébé était en siège et on a essayé de faire la version manuelle externe à 36 semaines qui a échoué. On a fait la radio du bassin qui a montré malheureusement que le bassin était un peu trop étroit et du coup elle était programmée pour une césarienne. La veille de sa césarienne, elle vient à l'hôpital pour être hospitalisée. Et là, on fait une petite échographie. Je dis quand même, on va vérifier avant de rentrer au bloc. Et là, le bébé avait la tête en bas. Donc, et ça, c'était planifié à 39 semaines d'aménorrhée. Donc, vous voyez, alors qu'elle avait vu sa sage-femme à 38 et demi et que le bébé était encore en siège, et bien à 39, le bébé n'était plus en siège. Donc, il n'est jamais trop tard déjà. Et sachez que si vous décidez d'accoucher naturellement, que les conditions sont favorables, que l'équipe est d'accord, que la radio du bassin est normale, dans ce cas-là, sachez que votre accouchement va être quand même très surveillé. Donc le cœur du bébé sera écouté en continu. Vous ne pourrez pas forcément bouger dans toutes les positions que vous avez envie. Une fois que, enfin, on ne vous autorisera pas en tous les cas à ce que le col s'ouvre doucement. Voilà, on préférera que le col s'ouvre de manière régulière à partir du moment où il n'y a pas de progression de la dilatation. On va pas pouvoir vous laisser trop longtemps comme un accouchement avec la tête en bas. Donc on va être beaucoup plus sévère finalement au cours de votre travail. Au moment de l'accouchement, il est possible qu'on vous transfère directement au bloc opératoire. En cas d'urgence, comme ça, on est directement sur place et on peut agir. Donc ne vous inquiétez pas si jamais il y a un accouchement du siège est prévu et qu'il y a beaucoup de monde autour de vous, que vous passez dans une autre salle. C'est les précautions à prendre en tous les cas pour s'assurer que d'un point de vue de la sécurité médicale, tous les critères sont réunis. Si jamais vous accouchez naturellement par le siège, ne soyez pas surprise, il peut y avoir des manœuvres qui sont un petit peu plus, voilà, un petit peu plus robustes, j'ai envie de dire, que pour un accouchement par la tête. Je vous invite à discuter de tous les détails avec l'équipe médicale qui vous prendra en charge au sein de votre maternité. Et sachez en tous les cas que, quelle que soit la décision que vous prenez, que ce soit une césarienne ou que ce soit un accouchement par voie naturelle, la décision vous appartient et elle sera la bonne à partir du moment où elle est bien informée.